Ah! J'ai des drop frames apparemment. C'est quoi ce bordel? S'il me plaît. Vas-y, s'il me plaît. Putain, il me dit rien. Non, bon, ok. C'est sans doute un bug, espérons-le. En plus, il m'affiche rien, donc ouais, c'est sûrement une connerie. Ouais, sans doute parce que j'ai arrêté l'enregistrement pendant 2 secondes pour que les vidéos YouTube ne contiennent pas les 5 minutes de pause. Bref. Bref, reprenons. Reprenons. Alors, j'en étais où? Bob's Rotten Head, plein de cœurs partout. Reroll, ouais, ok. Bon. Ok, déjà, on va... se débrouiller pour... choper un premier reroll. Corps des cœurs. Hein. C'est vrai que si on pouvait tomber sur le wafer là, ce serait vraiment perfection. On aurait énormément de reroll. Ce serait monstrueux. Et un corps des cœurs. Ouh, un cœur d'argent. Ça, c'est génial. Ça, c'est bien cool. On peut tomber sur un black heart ici, ce serait cool aussi. Plus on a de cœur, plus on aura de reroll. Qui sait, c'est peut-être pas mort. Hein. J'ai la foi, mais... enfin j'ai la foi. J'y crois. Hein. Alors, cœur d'argent ici. Nickel. Ermite, on croit que c'est pas... on pourrait toujours regarder là-dedans, voir si on trouve un truc, mais bon. Mais bon. Ah, est-ce que l'idéal ce serait pas de battre Isaac d'abord? What the fuck? Ah merde, c'est vrai que ce con il laisse de... oh fuck. J'avais oublié ce détail. Ah mais du coup l'espèce de baby... putain, on perd toute notre vie, sérieux quoi. Genre... ça tout allait très bien. Bon, c'est vrai qu'on a toujours la sun card, mais bon. On va éviter d'utiliser tout de suite quand même. Ouais, du coup, cette, ouais, cette espèce de baby à la con me... m'a fait perdre plein de vie, c'est cool. Foiré. Bon. Ah bah oui, tiens, ce truc reste ouvert, ça c'est génial. C'est excellent à savoir. Bon, bah du coup, on pourra pas en profiter, mais... mais tant pis, bon. Alors, est-ce qu'on veut d'abord battre Isaac avant de faire nos conneries? Je dirais oui. Parce que bon, on veut pouvoir reroll tout le bordel dans le chest aussi. Donc ouais, au mieux, vaut d'abord que j'aille battre Isaac avant de reroll quoi que ce soit, sinon je pourrais plus utiliser le sharp plug. Donc, faire ça comme ça. Forcément, j'avais jamais eu le sharp plug auparavant en sachant l'utiliser, donc bon, forcément. Bon, toujours personne dans le chat, c'est dommage, mais... il y a peut-être des gens qui suivent sur Twitch sans être inscrits. Ça arrive parfois. Non, pour l'instant ça se passe bien. C'est vrai qu'on a pas un damage de malade mais on se débrouille plutôt bien. Bon, s'il y avait encore des gens dans le chat dans un sens, on serait peut-être mort, mais bon. Mais bon, ouais, c'est vrai que bon, déjà, de base, parler pendant qu'on joue, au départ, c'est horrible, on n'arrive à rien, quoi. Voilà. Voir le premier épisode de Rebirth. Et ensuite, bon, bah... avec le chat en plus, c'est aussi une... c'est aussi un truc en plus à gérer, quoi, mais bon. Bon, mon avis, on s'habitue, quand même. Et bon, rien ne vaut le fait de jouer sans parler et sans lire autre chose. Je veux dire niveau qualité de jeu, mais c'est beaucoup plus fun, c'est vrai que le chat. Je pense que je ferai des live streams plus souvent parce que quand il y a une interaction, c'est beaucoup plus fun. Il y a plus de trucs à dire, hein, voilà, t'as pas de chance. Et bon, je suis là, bon, c'est cool, je dis mes conneries, mais je commente un peu ce que je fais. Oh, bon, ça c'était con. Oh putain, bon, il y a... Je parle et maintenant je fais n'importe quoi.
qu'il fait lui. Ah non, on a perdu deux vies, c'est pas génial ça. On les a perdus d'une façon stupide surtout, donc bon. Oh putain, 3. Ok, j'aime pas du tout ça. Fuck you, Blue Baby. Blue Baby, Isaac. Mais on a gagné un cœur d'argent du coup, donc bon. Un reroll de plus. Pas négligeable. On va essayer de faire gaffe quand même, on a perdu beaucoup trop de vie là. Pas du tout ça. Ah putain, oh, putain merde. Bon. J'ai perdu bien plus de vie que je n'aurais voulu, mais bon. N'oublions pas qu'on a la Sun Card, mais je pense qu'on l'utilisera plutôt dans The Chest celle-là. Hein. Histoire d'essayer de rester en vie. Alors bon, récupérons déjà les cœurs rouges qu'il y a dans le reste du niveau. Comme ça, il nous reste les 8 heures de l'autre salle. Non. Ok. C'est quoi ce truc en bas? Pourquoi on a une salle qui n'a pas été faite? Quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est battu. Je comprends rien, bon, je sais pas d'où il sort lui, mais non. Ouais, par contre, ce damage, c'était vraiment ridicule. Mais ça me perturbe, je sais pas d'où il sort, d'où ce qui se passe. J'ai aucune idée. Okay. Bon, j'en sais rien, je sais absolument pas ce qui vient de se passer. Bref. Il y avait quoi déjà dans la Secret Room? Rien, bon. Alors, bon. Commençons par ce cœur d'argent là. Ah bah oui, il y a un cœur ici. Commençons par ça. Ça m'étonnerait qu'il puisse y avoir autre chose de dans les pots que des pièces ou des araignées. Mais bon. Alors bon. Commençons les rerolls. Le Young Heart, bon, ça me donnera un cœur de plus, donc c'est pas mieux. Ils ont le cœur d'argent qu'il y a là-dedans. Et... What the fuck? Pourquoi j'en ai deux? Mais c'est complètement con! Ok, bon, bah... Pour ne pas perdre les deux, on va check la curse room, hein, même si... Non, bah, j'ai pas compris. On avait peut-être deux au même endroit, donc, sans doute ça. Attends, mais du coup, c'est... Ah, putain, du coup, je le perds complètement. Aïe, 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 aïe. On fait vraiment de la merde, hein. Ouais. Enfin, je fais de la merde, surtout. Non, du coup, il y a quoi? Il y a 8 heures, là? Ouais. On en perd 2 par sharp plug. IPCAC... Non, 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 non. Je ne veux pas IPCAC. C'est gentil, mais non. Bon. Je pense qu'il vaut mieux qu'on ait toutes nos vies au max pour The Chest, quand même. C'est bon, qui sait. Non, bref. Hello. Enfin, le halo, plutôt. Bon objet, mais c'est pas ce qu'on veut, hein, bien sûr. Bon, bah, dernier reroll, à moins que ça nous file un cœur d'argent de réutiliser le sharp plug. Non, connard. Bon. Revenge Fly. Non, c'est une des Revenge Fly. Et bon, bah, pour le reste, on va utiliser tout ce bordel dans The Chest, hein. Bah, c'est parti. Toujours The Sun pour essayer au final de faire un truc, mais bon. D'abord, on va compléter le chest. C'est possible, hein. Deck of cards, intéressant. Bon. Pas des items de malade. Stars ne nous sert à rien. Et bon, continuons. Enfin, continuons. Voilà. Faire le jeu, hein.
faire le niveau. Gagner une charge, tout, évidemment faire gaffe à ne pas se retrouver avec avec une demi-charge ou un truc comme ça à la fin. Hein, parce que bon, pour un petit plug si on fait ça. Ah, c'est vrai qu'on a la Spelunker Hut du coup, c'est pas possible. Ouh là, la room avec les 4 machins, les 4 Sims, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Oh, c'est pas mal ça que j'ai réussi à faire ça. J'aurais bien celui-là en dernier, mais bon, malheureusement. Ben, c'est moi où il a tué le. Non, je crois qu'il a tué Super Envy. Oh, c'est génial. Bah du coup ouais je serais bien en dernier alors hein. S'il a tué Super Envy, attends, il est trop cool. Je m'en souviendrai de ça. Ouais, qui peut nous filer le cœur aussi. C'est-à-dire qu'il recharge pas mal de nos vies il me semble donc enfin, je sais pas si on peut l'avoir deux fois, mais bon bref. Cœur d'argent. Parfait. Et sur une pile, on s'en fout. Le cœur d'argent est une bonne chose, bien sûr. Hein. C'est un sharp plug gratuit. Nice up. Bombzor qui non, surtout pas. Encore un iPhone Pills, non. Attends, on va faire ça comme ça. Si on peut avoir les trois d'un coup. Là ah bon, on n'a plus besoin de Maggie's Face là. Il hein. N'y aura pas de niveau suivant à moins de. Tomber sur des objets bizarres. Enfin, sur Undefined ou des trucs comme ça, mais je sais même pas si on les a débloqués d'ailleurs. Bref. Bref. Ouais, tant qu'on y est, allons plutôt par là. Comme ça, on peut compter le nombre de salles qui nous restent. Oh bordel. Oh, c'est. Il y en a un autre en plus, sérieux. Il y a combien? Ah ouais, mais merci. Ah, un autre tir d'argent, ça c'est génial. On a perdu notre Eternal Heart aussi. Ah, mais stop là. Putain, Room avec 3 dingles, c'est assez sale quand même. Hein. Je crois qu'on en a eu un. Oh là. Ah, il devrait être vraiment tous les deux sur le point de mourir. Ok, bon. On a un autre cœur rouge qui traîne. Alléluia. Le wafer. Oh, c'est génial. Ça nous permet d'utiliser le sharp plug. Et de perdre tout le temps un demi-cœur, qu'on ait des cœurs rouges ou des cœurs d'argent, ça réduit tous les dommages à un demi. Oh, c'est parfait. Oh, c'est génial. Oh, c'est super. Bon, je prends mes cœurs d'argent tout de suite, c'est un peu con, mais bon. Ça change plus grand-chose, disons. Hein. Bon, enfin pouvoir faire un peu de breaking. Bon, est-ce qu'on pourra avoir tous les objets du jeu? Peut-être pas. Mais on a The Sun, donc bon. Putain, en plus, on a des cœurs. Ah, yes. Ah, je suis trop content. Oh putain, deux monstros là. Deux monstros 2 plutôt. Deux monstros, ça va, hein, mais deux monstros 2. Moi. Ah, bon, je serais pas contre un bon damage up du coup là. Bon, c'est vrai qu'on. On va faire du breaking plutôt, mais bon. Du coup, ouais. Je sais pas si c'est bien de prendre d'autres objets. Attends, ouais, bon. Je peux pas check la map tout de suite, hein, c'est pas le moment. Oh putain, l'enfoiré. Bon. Quand tu veux que l'un d'entre vous crève. Hein. Bon, j'aimerais bien que ça arrive un jour quand même. Non, c'est vrai que c'est con ça. Du coup, je perds mes cœurs d'argent, c'est un peu bête, mais. Ah bah merci, enfin. Il était temps. Il était temps. Bon, on a pas mal de cœurs rouges qui traînent, mais. 2 mégamo, c'est ça? Non, c'est pas mégamo. Si, c'est mégamo.
Je sais pas. Ah, merci notre Hello of Life qui nous a protégé. Encore. Non. C'est ça que notre damage est pas fameux. Hein. Oh merde, on a perdu notre cœur d'argent. Bon, tant pis. On s'en fout un peu maintenant qu'on a le wafer, mais bon. Il y a toujours des rerolls de plus, donc bon. Mais au final, c'est peut-être mieux de les prendre en dernier, les cœurs d'argent, vu que lorsqu'on se fait toucher... lorsqu'on perd un cœur rouge, on peut regagner des cœurs d'argent. Enfin, j'en sais rien, bref. Ah, attends, on a... aucun intérêt d'aller là. On a enfin notre reroll. Enfin, nos rerolls, on en a plein, en fait. C'est assez dingue. Bon, malheureusement, on n'a pas d'autres coffres. Ces 4 là, il me semble. On avait pas un autre? Je sais plus, bref. Bon bah, reroll, hein. Ouais. Ouais, enfin. Rien nous intéresse là-dedans. Et bon, on va surtout épuiser les items. Ouais, ça marche. Bon, bah, les ciseaux, j'en veux rien de ça. Mulligan pourrait être cool, mais bon. Évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Crowtouch. Technologie, non, il y a des trucs pas trop dégueulasses, mais. Oh, double shot, tellement génial comme objet. Allez, file-moi des 48 Hours d'énergie, toi. Je suis parti. Foiré. Non. Ah, cœur d'argent, parfait. Ça nous permet d'utiliser du coup deux sharp plaques de plus, c'était vraiment génial. Reroll. Craxis. On est d'accord, oui, c'est sympa s'il faut. Relique serait bien aussi, mais bon. Je sais pas s'il faut vraiment les prendre ou pas, mais bon, bref. Tsuchu, ouais. Parasite, très bon item aussi. Oh, je sais pas si j'ai eu le Game Kid, tiens. Enfin, je pense que si, sans doute, hein, depuis le temps. Enfin, la musique est bizarre. C'est pas celle que je connais. Non. Putain, c'est tellement génial de pouvoir faire ça. Bon, malheureusement, on peut pas prendre les objets, mais... ouais. Il me semble que la Holy Mantle ne marche pas. Avec Ah, c'est cool, on va pouvoir avoir toute la map grâce à ça. Un autre Spiritar, nickel. Ouais, la Holy Mantle ne marche pas avec le Sharp Plug, donc c'est bon. Ok, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 salles. Potentiellement de reroll. À moins qu'il y ait des salles vides. Poup, waouh. Non. Alors c'est vrai que la question, c'est si on tombe sur un objet qui est assez rare et qu'on n'a pas encore eu, est-ce qu'on le prend? Et ça, c'est un dilemme, hein. Je sais pas si on a eu ça, Bloodwright. Bon. Ben, on peut compléter aussi notre liste d'objets, hein. Treasure card, blank card. Oh. Oh. Oh 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 oh. Ah ouais. Blank card, ouais. On a the sun. Techniquement, on peut avoir de la vie infinie. Mais il faut que je puisse mettre blank card quelque part. Ah, c'est bon ça, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment, 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 vraiment très bon. Non, on va le prendre déjà. On va pas l'utiliser, bien sûr. Pas tout de suite, en tout cas. Alors, card, on l'utilise. Alors, on a besoin d'un autre piédestal pour pouvoir remplacer Blank Card. Et continuer à reroll tout ça. Quoi, ça déjà, Star, on s'en fout. Ah ouais, du coup.
coup, je vais carrément... Non, je vais quand même prendre le sun au cas où il y a une catastrophe, mais bon. Ah, on est d'accord, il n'y avait pas d'autres objets à reroll. Je ne pense pas, oui. Du coup, j'aimerais bien en avoir. Hein. Ah, c'est vraiment pas mal. Oh putain, double kite, ok. Vraiment se concentrer, là. Ok, hein. Je crois que c'est mieux. Le mieux, c'est de le prendre, en fait. Enfin, c'est rien. Si on arrive à faire ce qu'on veut, on pourra avoir de la vie infinie et donc épuiser le... la liste d'items. Putain. Ouais, faut qu'on puisse survivre à ça par contre. Et surtout pas utiliser The Sun, c'est le truc qui nous tuerait quoi. Enfin qui nous tuerait, non bien sûr. On a besoin de The Sun pour avoir la vie infinie. Enfin, heureusement qu'on a le Wayfair du coup, parce que c'est ça, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Une des pires salles du jeu. Je sais pas si on peut toujours avoir les triple cage ou triple adversary. C'est vrai que l'adversary c'est horrible aussi. Oh putain, non. Oh fuck. Bon, on a tué un, c'est déjà bien. Putain, c'est boss quoi, c'est vraiment dégueulasse. Non, j'ai perdu pas mal de vie, mais... Mais ça va. Aussi plein de vie à récupérer. Bah, du coup, ce qu'on veut, c'est conserver The Sun. Hein. Oh putain, évidemment. Bon, bah, merci. Putain, il revient vite, ce con. Oh, ça aussi, c'est génial. Ok, bon. Bon, même si ça explose, ce sera pas si grave. Donc, ah, et si on tombe sur le D20. Waouh, 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 waouh. Ouais, il y a un potentiel monstrueux là. Oh putain, il y a un glitch là. On a un vieux glitch sonore. C'est resté bloqué sur une carte. Ok, bon, on va revenir au menu, du coup, en espérant que ça casse rien. Ok, bon, ça va. What the fuck, c'était quoi ce bordel? Ok, bon, ça arrive, hein. Bug de son au niveau des cartes. Jamais vu ça de ma vie, mais bon. Pas direct, hein. Bon, je vais garder The Sun au cas où, on sait jamais. Pas confiance. Notre carte, Strength... Ouais. C'est vrai qu'on a Blank Card aussi. Ah oui, si on tombe sur une Gera Rune... Ouais, mais on peut plus... Il n'y a plus de coffre à dupliquer. C'est vrai. Avec Blank Card et aussi un des objets... Ah bah voilà, c'est ça qu'on aurait peut-être dû chercher dans le shop aussi. Blank Card, ouais. Effectivement. Mais bon. Non, du coup, ce breaking, il se passe pas si mal que ça, au final. Hein. Ah, là, je trouve un Gera. Non, à Galage. On s'en fout. High Priestess. Je m'en fous. Je vais garder mon Sun, c'est l'essentiel. C'est quoi, ça? Card Against Humanity. Non, merci, non. Déjà, saoulé une fois, ce truc. J'en ai plus besoin. C'est vrai qu'on n'a pas une infinité de thunes non plus, effectivement. Donc ce truc se terminera un jour. Ah, mais s'il pouvait nous donner justement le... la Crystal Ball. Genre exploser et nous donner la Crystal Ball, on pourrait foutre la Blank Card à la place de ça. Flat Penny, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas de Golden Key non plus. Bon, bref, on s'en fout pour l'instant. On a deux suns. Non. Ah non, c'était... Il est maintenant 22h. Merci, Canadien. Oh, tiens, des cœurs. Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense pas que je puisse voir des spectateurs. Ouais, non, de toute façon, je pense pas qu'on verra les gens qui ne sont pas connectés.
Ah, qui n'ont pas de... Ouais, voilà. Bref. Continuons. Bon, là, il y a un peu trop de cartes, quand même. Hein. Hop, tempérant. Il semble que si on l'explose, ça nous donne un objet, ça. Ah bah non. Ok, bon. Ce n'est plus le cas. Dommage. Ça marche peut-être avec d'autres trucs. Death... ouais, je vais peut-être laisser ma sonne carte dehors, en fait, au cas où. Pas dans cette salle. Quoique, bon, je vais laisser là. Ça m'étonnerait que je meure à l'intérieur, là-bas, mais bon, c'est jamais, mais bon. Ouais, je préfère laisser ma sonne carte là, comme ça, je m'inquiète pas de ces trucs. Ok, ok, bon. On a un bon breaking en cours. Non, on a par contre, malheureusement, on n'a plus de pièces. Et il n'a pas explosé, ce con. Est-ce qu'on a d'autres trinkets qui nous servent? Je crois que ça me donne plus de pilules, ça. Mais ouais, non. Bah, on va rester là pour l'instant. Bon. On va prendre la Devil Card pour battre Blue Baby. Oh fuck, bon. Oula, Lust, calme-toi, là. Lust qui pète un câble. What the fuck? What, what the fuck? Ok, bon. Bon. Ça, c'était pas cool. Bon, il faut vraiment... Attends. Bah, merde. Bon, je peux toujours avoir un autre Bob's Rotten Head. Yes! C'est ce que je voulais, nickel. Ok, bon, on va faire ce qu'on a dit. Bon, du coup, c'est un petit peu loin, mais... Bon, de toute façon, on n'a pas non plus... Bref. Non, n'oublions pas de faire gaffe au nombre de rerolls. Hein. Donc, on fait quoi? On prend Blank Card, ouais. Et on le met à la place de l'autre. De Bob's Rotten Head. Comme ça on peut reroll les 4 et toujours avoir notre blank card en stock. Bon, cette breaking run prend beaucoup de temps, mais bon, c'est un peu le principe d'une breaking run aussi. Donc, voilà. Ça aurait été mieux de faire ça dans un niveau plus tôt, mais bon. Breaking run dans le chest, hein, ouais. Ok, bon, blank card. Et évidemment, comme on a le sharp plug, on peut, ouais, on peut, voilà, on peut plier la blank card à l'infini pour nous donner la sun card. Oh, c'est complètement monstrueux. Ah, d'ailleurs, ouais, non, je sais pas si ça nous donne la sun card. Non, ça nous fait l'effet de la sun card. Donc ça nous redonne toute notre vie, en gros. Ouais. Ne prenons pas un autre objet sans le vouloir, hein, ce serait con. Là, on va un peu de... Là, faut que je devienne partenaire avec Evian. Là. J'espère que ça vous explose pas les oreilles, ça, d'ailleurs. Alors... Bref, continuons. On voulait tuer Blue Baby, c'est vrai. C'est vrai qu'on a plus de thunes, ce qui est un peu bête, mais bon. On s'assure d'avoir fini notre run. Et ensuite, ça va être le bordel. Sérieusement, bon. Ah, on a eu notre wafer quand même. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien cool. Même si, bon, j'aurais préféré que le breaking se fasse dans le Dev 2. Enfin, là où on s'est un peu complètement fail, quoi. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Allez, Blue Baby, utilise la Devil Card. Ça, j'ai plus de damage. Ah, parfois, qu'est-ce qui m'a touché? J'en ai aucune idée, non. Bon, on aurait peut-être dû garder Blue Baby pour quand on a... Si jamais on a plus de damage, mais bon. Si on trouve Dadski, on pourra se mesurer à Mega Satan, donc... Et on l'a pas encore eu dans le niveau, donc si on fait ce qu'on a dit...
C'est vrai, carrément faisable. À part si on obtient Undefined et ensuite on se barre, mais bon. Alors si on a une carte de téléportage, bref, on verra, on verra. Mais bon, en tout cas, je suis content de... d'être arrivé bah, à faire une breaking run, quoi, vraiment. Mais bon, même si on n'a pas encore obtenu des objets de malade. Et bon, il y a peut-être peu de chances qu'on en obtienne. Enfin, c'est vrai que je ne peux pas dupliquer des coffres. Heureusement, je peux pas obtenir d'objets à l'infini. Quoique, quoique, quoique. Oh non, c'est dans cette run qu'on a eu le D20. Je sais plus. Je sais plus si c'est dans cette run ou si c'est dans la run où on est mort qu'on a eu le D20. Bon, ouais, si on a eu le D20, plutôt on ne pourra pas l'avoir à nouveau, malheureusement. C'est extrêmement dommage. Ouais, le D20, c'est le seul truc qui aurait pu nous... Ou la rune Gera, mais bon, faut la trouver, quoi. Donc ouais, on n'aura pas une infinité d'objets, malheureusement. À moins de... On sait jamais, mais bon. Il y a peu de chance, quand même. Bon, monsieur Blue Baby. Bon, c'est fait. On n'aura plus à se soucier de ça. Ah, on a une pièce. Cette pièce, what the fuck. Bon. Ouais, c'est un peu le bordel ici quand même. C'est pas mal ça, ça peut... permettrait d'ouvrir n'importe quel coffre sans se prendre de dégâts. C'est quoi, on va prendre ça au cas où on tombe sur de la thune. On sait jamais. On n'a pas encore nos rerolls, mais bon. Donc ouais, il reste combien de salles? 1, 2, 3, 4, 5... Attends. 1, 2, 3... Bon, 1, 2 déjà, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, on pourrait avoir un reroll normal, puis un autre. Mais si jamais on tombe sur une salle où il n'y a rien, ou un truc comme ça, voilà, on perdrait toute notre capacité à reroll, ce qui est complètement con. Donc, on va en avoir un seul. Oh putain, il reste... Enfin bref, on va pas faire les autres salles en... sans avoir de reroll, quoi, ce serait con. C'est un gros risque débile. Mais bon, on va pas faire la même connerie que dans Dev 2, hein. Mais ouais, c'est vraiment dommage si on a eu le... si on a pas eu le D20 dans cette run. Parce que bon, ça aurait été bien de prendre tous les items. Bon, là je vais pas les prendre. Je vais juste essayer d'épuiser le... l'item pool, comme on appelle ça. Bon, je sais pas si ça va marcher si je ne prends pas tous les objets, mais bon, on va voir. On va bien voir. Hein. The Hunt, tiens, je t'avais pas vu toi dans cette partie. Mais bon, j'étais content de pas te voir d'ailleurs parce que je t'aime pas, mais bon. Pas grave. Là, nos petits bouncing tears là. Ah, on l'a eu. Nice. Oh, Golden Tea. Bon, je sais pas si ça nous servira, mais c'est bien. Alors, tout ce qu'on y a là-dedans est inutile. Attends, j'ai une idée. Prayer Card. Ah, mais non, c'est con. Ouais, non, je pensais avoir les tirs infinis, mais non, c'est débile en fait. Ça me prend. Ah, quoique. J'utilise des cœurs d'argent. Ouais, je peux faire ça, ouais. Bon, en gros, je peux récupérer 12 cœurs. Et avec les Sun Cards, du coup, ça me donnerait encore plus de trucs. C'est pas con, c'est pas con. Enfin, d'ailleurs, Prayer Card utilisé avec l'eau. Ouais, non, avec le D6, ça me donne. Ouais, non, bref. Bref, faut que j'arrête de dire des conneries. Bon, on va prendre tous nos Spirit Arts déjà. Quoi, c'est le bordel, j'en sais rien.
Ouais, bon, on va revenir ici. C'est un peu con tout ça, mais. C'est un peu con, mais c'est assez fun, donc c'est bon. Donc, normalement. Voilà, on peut faire ça. Hein ? C'est quoi ce bordel ? Bon, je ne sais pas. Voilà. bon, on n'a pas d'autre cœur d'argent, apparemment, mais bon. Et donc, ouais. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, non, malheureusement, c'est pas possible. C'est dommage. Bon, tant pis, mais bon, c'était marrant, en fait. Bon. Allez, on va reroll tout ça. Money equals power, bon, ça me sert absolument à rien vu que j'ai pas de kill, mais. Vas-y, finir. Bref. Tu me shears, bon. Là, tu me donnes 5 bombes. Ou pas. Tu me donnes pas 5 bombes. C'est bizarre. Peut-être déjà eu. Non, c'est étrange. Bon, bref. Alors, Satanic Bible, ouais. Spider-Bot. Même spell, on s'en fout. Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Ah, c'est génial. Cricket's Head, ah, fuck. Je vais le prendre celui-là. Ah non, je sais pas si je l'ai eu lui par contre. Oh fuck. Ah, oh, il y a plein de trucs que je vais avoir. Je sais pas si je l'ai eu celui-là. Je sais plus lequel j'ai eu. C'est possible que je l'ai eu. Eh ben là, le problème quand on fait du breaking, mais. On peut aussi faire du breaking avec deux trucs seulement. Mais... Alors, ça et quoi? Je vais charger mon D6. Et on va faire les autres salles. Pour voir si on peut pas avoir d'autres objets. Non, on a une batterie, tiens. Marrant ça. Parce que ouais, il y a vraiment des trucs que j'ai envie de prendre là, donc bon. Oula, double adversaire. Ça rigole plus. Les salles les plus dures du jeu. Putain, j'aurais dû prendre Cricket's Head avant d'entrer là-dedans d'ailleurs, mais bon. Et du coup, même si on se retrouve avec un damage de malade, on n'aura rien à faire avec, mais bon. Merci le wafer quand même, hein. Vrai que sans ça, cette salle. Attends, heureusement que je vais passer par ici. On utilise Death, je sais pas si ça lui fait vraiment du dégât, mais apparemment, oui, quand même. Bon, on en a eu un. Écoutez celui-là. Bon, il y en a un, c'est déjà plus facile. Pas de coffre, malheureusement. Bon, ouais, on va garder quelques salles quand même. Bon, allez, je prends Cricket's Head parce que voilà, j'adore Cricket's Head quoi. Alors, j'ai pas le choix. C'est énorme damage up. C'est quoi ça, Two of Hearts, item multiplicateur, d'accord, ça nous redonne, ça multiplie le nombre de cœurs par deux, d'accord. Alors... Bref, on va s'arrêter là pour l'instant. Bon, il fallait que je prenne Cricket's Head, hein. Bon, celui-là, je sais pas si je l'ai eu, j'espère que non, et de toute façon, on fera sûrement une autre breaking run à un moment. Et colis, pickaxe, ouais, non, rien d'intéressant. Sadonian Magnetic Tears, je sais pas si je l'ai eu dans une run celui-là encore, mais bon. Encore des bons objets, hein. SMB Superfan, je sais que je l'ai eu. Ça, je sais que je l'ai pas eu.
Ah, c'est vrai que... Et que j'ai débloqué avec Maggie celui-là, donc je l'ai pas encore eu. Bon, on va le prendre, même si c'est con, quoi. Bon. Code secret, ça va vraiment m'aider, là. Scorpio, je connais. Cœur d'argent... Ah, c'est vrai que c'est con. Ah non, c'est vrai que du coup, les cœurs d'argent ne servent plus à rien. Ah, effectivement, c'est un peu bête, ça, mais bon. De toute façon, on s'en fout, on a vie infinie, quoi. Non. Cet album is my best friend. Je sais pas si j'avais eu celui-là. C'est D combien ça déjà? D4. Ah, ça reroll complètement toute ma run ça. Ouais, non, ça ira. J'ai pas forcément besoin de ça là. Leech Mom's Eye, ouais. Daddy Long Legs, Broken Mirror. Monstrous Lung et ça. N'oublions pas, ouais, non. Techniquement, on a toujours un autre objet à reroll, mais c'est la Blank Card, donc bon, on n'a pas envie de la reroll. Pas tout de suite, en tout cas. Une Cornstone. Bon, on n'a pas Mom's Knife, du coup, on s'en fout. Holy Water, sûrement pas, non. Ah, c'est pas mal celui-là. Oh, Death Touch, bien aussi. Cricket Body, et non, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas les avoir, les objets. Bon, au moins on les voit. Au moins on les voit. Tiny Planet, les Money Snap. Oula, je viens de me remarquer que j'avais plus de vie en fait. C'est un peu con. J'ai failli me tuer, c'est complètement dingue. J'aurais pu mourir là en fait. Bon, c'est très con. J'ai failli me tuer sans le vouloir. C'est malin. Non, je vais pas rentrer dans une salle avec deux cœurs, ça va être débile. Ouais, j'ai quelques cœurs en rouge ici. Et Two of Hearts, ouais, comme ça, hein, c'est fait. On peut utiliser la blank card tout de suite. Bon, c'est une breaking run, hein, bon, il se passe pas grand chose, mais... Le but, c'est de faire du breaking. Voilà, malheureusement, on n'a pas assez d'objets pour faire ce qu'on aurait voulu. Bug's Brain, je crois que c'est Gemini, ça. Télépathie fortune. Téléport, on s'en fout. Enfin, si seulement on pouvait prendre tous ces objets, ce serait dingue. Hein. Ce qu'il n'y a plus là, bon. L'objet qui nous manquait pour... avoir vie infinie sans tout ce bordel. Le coffre LSN, ça va être intéressant aussi, parfois, mais bon. Ah, je viens de penser à un truc. Ah, on n'a pas eu Monster Manual. Et tiens, qui sert, on a la Death Key. Donc, on va pouvoir se battre contre Mega Satan. Oh, c'est cool. C'est plutôt cool. Ce sera notre finale. Hein. Le bin. Donc oui, Monster... Oh, fuck, évidemment. On a Forget Me Now tout de suite. En même temps, bon, est-ce que j'ai envie... Ah, je crois que je l'ai pas eu encore, d'ailleurs. Donc je vais le prendre, à un moment. Voilà. Donc, ouais, ça nous aurait permis de faire le niveau une nouvelle fois... On pourrait toujours faire ça, mais sans la blank card. Ah. Genre on bat Mega Satan, et au moment où on le bat, on utilise Forget Me Now. Mais bon, bref, trop compliqué, ça sert à rien. De toute façon, on peut l'utiliser qu'une fois, donc bon... Pas idéal, Cursed Eye, non merci. Non merci non plus, bon. On commence à perdre de la vie, on devra bientôt aller... Monster Manual. Ok, bon.
C'est l'heure d'essayer de débloquer Meat Boy et Bandage Girl. Attention, on va peut-être y arriver. Hein. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'on devait faire ça aussi en Breaking Run, donc ouais. Ok, bon, et pourquoi je retourne ici? Parce qu'on aura besoin de la... Oh fuck, bon, c'est con ça. On aura besoin de la Sun Card. Alors. Bon. Faut pas qu'on perde trop de vie, faut qu'il nous en reste pour la blank card, je crois. Bref. Alors. Il lui donne quoi, lui? Lui, non. On va prendre toute la vie qu'il y a là. Bon, ça risque de prendre très longtemps par contre, mais bon. Je sais pas si c'est bien de faire ça en stream. Bon, on verra si au bout de 10 minutes on a toujours rien. Bon, on s'arrête là, bien sûr. Ou alors, bon, on bat Méga Satan, je me re-téléporte et on arrête le stream et ensuite, bref, je ferai ça après. Si vraiment ça prend des heures et des heures, mais bon, j'espère pas quand même. Bon, je sais que ça peut durer extrêmement longtemps. Donc bon, peut-être pas la meilleure chose à faire tout de suite, on verra. On verra bien, bon, pour l'instant, j'ai eu pas mal de familiers, c'est cool. C'est le bordel, hein. Bon, pas de Meat Boy en vue. Bon, plein de conneries. Bon, on va utiliser ça. Alors, bon. Blank card. Jeune Golson. Ensuite, je fais ça. Ok. Je me débarrasse du Sun. J'utilise pas, surtout pas, non. Bon, ces machins, d'ailleurs, je vais les laisser à un autre endroit parce qu'ils me dérangent. Je vous laisse là. Oh, et on... Oh putain, le con. Bon, ça va, je m'en fous. De toute façon, j'avais pas eu... J'avais pas eu de Meat Boy. Donc ouais, ne pas quitter la salle, surtout pas. Alors voilà, ne jamais faire ça. Mauvaise idée. Ah, on a un cube of meat. Attention. Là, notre premier cube of meat. Bon, c'est vrai que c'est peut-être mieux de mettre de la musique pendant qu'on fait ça. Bref, bref, je vais voir combien de temps ça dure, mais... Allez, on y croit, on y croit. On y croit. C'est vrai que ça prend un peu de temps quand même, mais... Bon, c'est quand même bien aléatoire, mais... Bon. Appuyer sur espace pendant des heures. C'est marrant, il y a plein de petits familiers. Ah, on a un bowl of bandages maintenant. Nice. Alors, normalement, je pense même pas qu'on puisse avoir un cube of meat et un bowl of bandages en même temps, dans une run. Évidemment, avec Monster Manuel, c'est possible. D'ailleurs, en parlant de Monster Manuel, je vais voir exactement son nom parce que ça m'énerve. Non, je m'en fous de blind card, merci. Non, je m'en fous pas, mais... Monster Manual, oui, c'est bien ça. Ok, je vais évidemment lâcher le Sun, j'en ai pas besoin tout de suite. Ok. Qu'est-ce que je veux déjà? Ah oui, on continue. Bon, c'est légèrement répétitif quand même, là, mais bon, ce qu'on veut, c'est quand même... réussir ça, donc bon. Alors, débloquer Meat Boy et Bandage Girl. Bon, on n'a toujours pas de deuxième stade. Faire gaffe à notre vie quand même, hein, ça compte crever. Ouais, bon, c'est vrai que ça devient un peu le bordel quand même. Hein. Alors, Sun, Blank Card, fais gaffe à pas faire de conneries. Hop. Ensuite, je recharge lui. Moi, je te reprends et je laisse la Sun Card ici. Pas l'utiliser sans faire exprès. Mais on recommence. Voilà, vie infinie, c'est génial. Bon, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de faire ça pendant une pause ou un truc comme ça. Mais... Bon, ça fait quoi? On va dire que ça fait... Oh!
Tiens, on a eu deux Bandage Girl d'un coup. J'avais même pas remarqué. Ou à la suite, un truc comme ça. Donc on a niveau 3 de Bandage Girl. Ouais, ça progresse. Donc peut-être qu'on va y arriver. Peut-être ça va le faire. Ça, c'est génial. Allez. C'est bordel. On est trop de familiers. Je comprends plus rien. Allez. Allez, un autre cube of meat déjà, finalement, hein, parce que j'en ai toujours que personne. Ah, moi, ce bordel. Allez. De toute façon, j'aurai sûrement une notification quand j'aurai débloqué la Bandage Girl. Bon, je le sens bien, là, en tout cas. Je le sens bien. Allez, faut pas que ça prenne non plus 3000 ans, parce que, bon... Bien, on est en stream, quoi, donc bon. Peut-être pas ce qui est mieux. Allez. Faut que je parle, parce que sinon, vous allez vous faire chier, quoi. Bon, attention à ma vie, bien sûr. Ne pas se suicider. Surtout pas. Je sais pas pourquoi les gens disent que le truc avec Monster Manual, du coup, en plus, c'est écrit quand ça... Je l'utilise. Pas mal de gens disent que ce bug... Enfin, ce bug... Le truc a été corrigé, mais non, carrément pas. Guardian Angel. Alors, on recommence. Blank Card et Sun. Hop, et Control. Complètement, complètement oublié le bouton pour utiliser les cartes, là. Pour ne pas se gourer. Évidemment, on reprend ça. Et c'est reparti. Lalalala. Hein? What? Attends, pourquoi j'ai une Bandage Girl niveau 2 maintenant? C'est quoi? Ah non, c'est un niveau 1. Ah ok, ça avait fusionné avec Meat Boy, je crois. Donc j'ai un Meat Boy niveau 1 là? Niveau 2, je veux dire. Ah non, j'ai un Meat Boy niveau 3 aussi! Ok, ils ont. Ok, j'ai un Meat Boy niveau 3 et une Bandage Girl niveau 2, niveau 3 aussi. Ok, on y est presque. Allez. Allez, on y est presque. Enfin, c'est génial. Non, ça prend toujours du temps, mais bon. Un Bob's Brain. Allez, marche. On y est presque. C'est bordel. C'est un bordel. Allez. Marche. Ah, il veut pas. Allez. Ne me troll pas. Ne me troll pas. De toute façon, on le saura quand on a débloqué un des trucs. Hein. Pas de faire gaffe à notre vie au cas où. Allez. Yes. Achievement unlock, super Meat Boy. Bon, vous pouvez pas le voir, mais bon, je suppose qu'il faut quitter la salle pour que ça se voit. Mais on a eu super Meat Boy, plus que Bandage Girl. Alors, vous pouvez le voir, il est là, quoi. Genre, bon, il est énorme. Bref. Non, ouais, je pense que ça se verra quand on quitte la salle ou un truc comme ça. Mais d'abord, avoir Bandage Girl, ce serait con, quoi. On a galéré pour les avoir, donc bon. Allez, plus que Bandage Girl. Bon, en tout cas, hein, j'ai confirmé la théorie que le coup de Monster Manual marche toujours. Bon, évidemment, ne pas oublier ça. Ah, je suis trop content, on a mis de bonnes. Bref. Alors, non. Pas faire de conneries. Blank Card Sun, espace. Enfin, utiliser quoi. Je la recharge. Je reprends. Il est maintenant 22h30. Merci, Canadien. Je dépose The Sun. Et voilà. C'est particulier comme façon d'utiliser sa vie, mais bon. Bien fini, hein. C'est cool. Ah, je suis trop content. Ah. Allez, Bandage Girl. Troll pas. Viens aussi.
Bordel. Le nombre de gardiens, de Guardian Angel qu'on a. C'est impossible de se faire toucher là. Ah oui, l'idéal, enfin, c'est assez drôle de prendre Monster Manual dans le fight de Media Satan. Yes, 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 yes! Oh, alléluia, la, 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 la. On a eu les deux, on a eu les deux, on a eu les deux, on a eu les deux! Yes! Ah, moi ça, Bandage Girl, Meat Boy, ils sont là! Ils sont là, on les a, on a les niveau 4, yes, 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 yes! Ouh! Magnifique! Ah, c'est génial, c'est génial. C'est super. Regardez-moi ce bordel. Alors, j'hésite presque à prendre toutes ces familiers pour Mega Satan, mais bon. On va pas faire ça tout de suite. Alors, on va pas faire ça, mais... Non, du coup... Du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Non, du coup, on va recommencer à reroll des trucs. Eh, bon. Allez, qu'est-ce qui se passe quand je change de salle? Non, pas de notification. Bon, je suppose qu'il faut... finir le jeu pour ça. Bon, ça pourrait pas être compliqué. Ah, oh, c'est génial. Oh, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Bon, on va pouvoir refaire quelques rerolls. Ah, c'est trop cool. Ouais, il s'est débloqué. Ah, oh, c'est trop bien, ouais. Oh, Eve's Mascara, je l'ai pas encore eu, donc on va le prendre. Big damage up. Bon, on perd un peu toute notre range, mais bon. Victor, ouais, c'est bien, maintenant merci. Aïe, ah, on s'en fout. C'est vrai qu'on veut toujours essayer de terminer l'item l'item pool aussi. Bon, avec un seul objet, ça va être un peu chaud, mais bon. Ah, c'est génial, on a eu des deux. Bloody Lust, je sais pas si on l'a eu d'ailleurs. Mais bon, on s'en fout. On fera sûrement une autre Breaking Run du coup, mais voilà, ouais, c'est génial. Trop content. Triple shot, pas mal. Mais pas ce que je veux. Bon, bon. Là, je veux pas grand chose, hein, mais. Ah, c'est pas mal ça. Bon damage up. Mais non. Le problème, c'est qu'il manque quand même pas mal d'autres objets. Cove Shadow, là. Plein d'objets qu'on n'a pas encore eu, donc ouais. Proptosis. Ah, je peux pas refuser Proptosis. Je ne peux malheureusement pas refuser Proptosis. Ah, dommage. Ah. Je cède à la tentation, mais bon. Bon, blank card, pas si j'en ai encore besoin là. Oh putain, ouais, voilà pour. Ok, bon, c'est vraiment pas cool ça. Ah. Voilà pourquoi j'ai pas. Oh merde, je sais pas si j'ai rechargé blank card. Oh si, ça va. Ouais, sinon, ça aurait été un peu compliqué. Ouh, on a eu chaud, on a failli crever, ça aurait été con quoi. Bon, on débloque quand même nos mid-boy sinon, mais bon, voilà, on a des trucs à faire encore. Bah, pourquoi cette poupe, elle... Pour rien, bon, c'est beau. Starve. Qu'est-ce qu'il foutait notre tir, là? J'en ai aucune idée. Bon. Il y a encore 5 pièces, hein, qui sait. Et qui va exploser et nous donner un item. Un reroll. Ah bah non. Je pense pas qu'en l'explosant, on a un item. Enfin, j'en sais rien, en fait. Bref, on va... Oh, putain, foiré. Bon. Allez, allons faire les autres salles. Ça va pas être trop compliqué. Bon, il y a moyen qu'ils nous filent un item bombe. Ça, c'est cool. Ouais, malheureusement, non. Et la dernière salle. Bon, ils peuvent nous donner un autre Bob's Rotten Head. Hein. Malheureusement non plus. Tower, non merci. Et bon, c'est qu'on arrive à la fin là. Hein.
Je pense qu'avec le damage qu'on a, on n'a pas vraiment besoin de se trimballer avec la Sun Card. Bon, déjà, on va aller là-dedans. Exploser lui. On va voir s'il se passe un truc. Ah oui, ça nous donne bien un objet. Oh, nickel. Bon, parfait. Oh, et merde, j'ai pas rechargé mon D6. Ok. Ça, c'était con. Évidemment, j'ai oublié de recharger mon D6. Il fallait que ça arrive. C'est dommage. Bon, ça m'étonnerait qu'on ait une batterie dans le niveau pour le recharger. Nope. Ben, ah. Oh, bah, je crois que si, en fait. Oh, je crois que j'ai une batterie tout en haut à gauche. Je sais pas, je vois une batterie sur ma map, je pense. Je pense que c'est une batterie, donc ouais, ok. Bon. Apparemment, j'avais oublié ce truc, ouais. Et là, on a besoin de voler pour l'avoir, non? Bon, il y a moyen qu'il y ait un Hanged Man qui traîne de toute façon dans la... Yes! Bon, nickel. ce petit safe... safe track, là. Enfin, ouais. Safe track, n'importe quoi. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Attends, il y a quelle heure, là? Parce que je comprends plus rien. On a fait notre pause à 21h30. Oui, c'est bien ça. Donc on a une pause dans 25 minutes encore, décidément. Non, je suis quand même bien content de cette Breaking Run, hein. Non mais what the fuck, pourquoi parfois ça marche pas ça? Bref. Bref, on a un autre objet à reroll, donc allons-y. C'est Libra, ça. Ah là 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 là. Ça équilibrerait nos stats et ça nous donnerait un truc génial. Bah on va le prendre, allez. Ah bon, apparemment on a perdu masse de notre damage, mais bon. Mais c'est marrant, ce départ. Bref, bon. bon, qu'est-ce qu'on veut comme autre comme objet ici? J'ai l'impression qu'on veut grand chose, hein. Bon bah c'est le seul qui nous reste à reroll, hein. Malheureusement. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait de ma Sun Card, hein? Non, je l'ai laissé là-dedans, sans faire exprès. Attends, on va utiliser Strings. Perdu ma Sun Card quand même. Ce serait con. Moins que j'ai remplacé The Stars par ça. Ah bah ouais, elle était là. Ok. Bon, ça arrive. Putain, j'ai perdu une vie. C'est marrant ça. Ça doit être Libra qui m'a fait ça. Bon, ok. Bah attends, j'ai regagné ma vie du coup. Ok, bon, on garde The Sun et. Ah, oh, mais c'est chiant. On a à nouveau une vie. Ok, bon, donc on peut prendre les 3 milliards de spirit art qu'on a dans le niveau. Ok, donc on a encore quelques rerolls. Ah mince, la pollen chain, j'ai pas encore eu. Ah, allez, on va finir là dessus hein, parce qu'il y a encore trop d'objets à reroll de toute façon. Donc... c'est quoi les musiques à la con avec ça là? I'm rolling. Ouais. Tout à fait. On s'en fout. bon, on n'a plus rien à reroll, malheureusement. Hein, c'est dommage. À moins que. Une carte qui m'est échappée, mais ça m'étonnerait. Magician, The Stars, Card Against Humanity. Alors... Ah bah oui, mince, on aurait pu utiliser ça pour gagner des pièces, tiens. Bon, tant pis. Bon, je sais pas trop en quoi ça nous débarrasse. Mais... Effectivement.
Non, prendre quoi comme carte? Moon. Magician. Pourquoi on est du piercing shot? Ah oui, grâce au push pin. Du coup, on va garder le push pin. Et on va garder aussi. Ça marche comment avec ça? C'est marrant. Ok. Et vas-y, tower, parce que yolo. Non! On prend pas de scène? Bah si, on prend de scène, évidemment qu'on prend de scène. On n'en aura pas besoin, mais bon. Bon, le délire. Hein. On utilisera à la fin. Ah, c'était génial. Il y a quoi là-dedans? Mec, il veut pas finir, mais hey, je veux pas finir. Je veux pas m'arrêter. Ok, Forget Me Now là aurait été bien, mais bon. Toutes les belles choses ont une fin. Bon. Allez. Alors, on tue les méga Satan et bon, c'est dingue, mais. Exploser méga Satan, hein. Alors, on lui fait pas tant de dommages que ça au final. Bah, c'est vrai que Libra nous a bouffé plein de dommages, mais avec Libra et nos stats, donc bon. Bah, on a quand même un très bon damage. Hein. Ouais, quoi que tu veux. Ah, oui, ça a plus de challenge, c'est cool aussi. Hein. Et du coup, on n'a pas de range. Ah merde, j'ai oublié cette attaque. Là. Vous vous souvenez pas de cette attaque, ça? Ah, voilà. Les premières phases. C'est vrai qu'on a aucune range, du coup, c'est un peu abusé. Ouais, ça rend la truc plus fun, parce que bon, si on l'avait one shot, ça aurait été un peu con, quoi. Ah, c'est vrai qu'on a la ball and chain. Là, on va les exploser. Ah, c'est bien fun. Allez, Warcraft. Toi, tu reviens. On va exploser les bras. Oula. On a une bonne speed aussi, tiens. C'est cool, ça. Ah, enfoiré. Faire un peu de vie. C'est un peu abusé, mais bon. Non, on a tué une de ses mains. Bon, on va s'occuper d'eux, quand même. Pas, hein, mais il s'en occupe tout seul apparemment. Il est pas censé pause quand il invoque ses machins. Je peux pas. Ah merde. Voilà. Hybride. Ah bah oui, oui si, il est censé pause, je crois. Bon, je pourrais, il a du bug. Ah, ses mains est revenu. Et il s'est rebarré. What the fuck. C'est con ça! Il bug un peu, j'ai l'impression, les gars s'attendent, mais bon. Ouais, ça nous a fait un truc un peu bizarre, Libra, mais bon, c'est marrant. Ouais. Ouh, attention! Dangereux tout ça, bon ça va, on a la 5 card, mais bon. Ouais, ça dure moins longtemps que prévu, donc c'est cool, hein, ça donne un petit bonus de fin. Enfin, ça dure beaucoup plus longtemps que prévu d'ailleurs. Et ouais, Libra, je crois que ça nous a bouffé pas mal de damage au final, même si ça se voit pas au niveau des stats, mais bon, les stats, elles sont toujours bugées. On a toujours notre bonne défense de mouche, donc ça va, hein. Bon, on n'a pas les Meat Boy, etc. Ah, c'est vrai, on a les Meat Boy, je suis content. Ah, c'est génial. On va voir ça après avoir tué Mega Satan, c'est cool. Et on a pu prendre quelques objets qu'on n'avait pas aussi, donc c'est assez génial aussi. Hein. Allez, on va... j'utilise un peu la Ball and Chain pour tuer les trucs. Même si je me prends du dommage, je m'en fous. C'est
pas très pratique en fait. Bon. Allez. Tu enlèves plutôt. Enfin, je me demande s'il peut me donner des objets lui. Enfin, ça m'étonnerait, je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est désactivé pour les gars Satan, parce que bon. Ça manque les. Les sins. Bref, les péchés capitaux, ouais, ça sonne bizarre en français. Qui nous donne des objets pendant le fight de Mega Satan, ce serait assez drôle. Ça serait énorme. Hein, mais... Alors, les deux anges. On leur fait bien mal quand même, hein, même si on a perdu du damage. Enfin, c'est qu'on est obligé d'être extrêmement prêt pour leur faire mal, mais. Quand on est collé à eux, ouais, on les explose. Que la première phase de Mega Satan devrait pas tarder à mourir. Là, j'ai bien fait ramener The Sun quand même. Ouais. Bon, c'est faisable sans, mais bon, ouais, on s'en fout. Quoi. On peut le faire donc. Donc je prends mon temps. Ah. Tiens, encore eux. Ah ouais, je suppose que ouais, ils apparaissent quand, quand on n'a pas assez de damage. Ils apparaissent à nouveau, il semble. Ouais. Il n'aurait pas tardé à mourir. Yeah. Je pense pas qu'on puisse utiliser la bonne chaîne. Ah si. Je me demande à quel point ça lui fait mal. On va voir ça. Ouais, bon, ça n'a pas l'air de lui faire grand chose. Hein. Non. C'est vrai que du coup, je dois rester extrêmement prêt pour le battre. Bon, pas très pratique avec cette attaque. Bon, c'est vrai qu'on a le wafer, donc bon, on s'en fout. Ah, le Wafer, là. Thème qui a sauvé notre Breaking Run, au final. Hein. Alors, on a bien galéré pour l'avoir, quand même. Hein. Il voulait pas venir. Hein. C'est abusé. Ouais, attention, ne pas mourir. Hein. On va utiliser la Sun Card quand il nous restera un seul cœur. C'est-à-dire très bientôt. Hop, voilà, comme ça on a toute notre vie, on se prend pas la tête. Ouais. On va quand même faire gaffe à notre vie maintenant, même si on en a pas mal, on peut se faire toucher quoi, genre. 11 fois 2, 22, 22 fois, ça va. Hein. Bon, par contre, ouais, je vais me faire toucher deux fois, c'est pas cool. Ouais, il aurait pas tardé à mourir. Ouais, tiens, on peut rester en vie ici. Non. Bah ouais, par contre, là. Yes! On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Et yes! On a fini cette run, enfin, au bout de quasiment 3 heures. Oh! Magnifique Breaking Run! Pas si souvent que ça, donc bon. Non, et... Il va être Super Meat Boy et... Bandageur, yes, 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 yes. Génial. Là, je suis trop content. Nice, nice, nice. Super. Bon. Est-ce qu'on se fait une Relax The Lost après? Ou autre chose? On va voir ça. Bon, du coup, je pense que je vais faire une pause tout de suite. Voilà, comme ça. On fait ça après la run. Et donc, bon, je garde dans 5 minutes, bien évidemment. Bon, la deuxième partie du live stream sera un peu plus courte, mais c'est pas grave. Donc, ouais, je pense qu'on va essayer de faire du The Lost après. Donc bon, ouais, petite pause. Et en tout cas, je suis super content d'avoir géré cette Breaking Run. Bon, malheureusement, on n'avait pas pu avoir le D20. C'est le truc qui nous aurait, qui aurait pu complètement nous sauver au final. Mais, voilà, ça arrive, hein. C'est pas grave. Ça viendra un jour. Ça viendra, ça viendra. Bon, alors, comment je fais ça déjà? Je sais même plus. Bon, ouais. Allez, on se retrouve dans 5 minutes, à tout de suite.